Salut les amis, j'espère que vous allez bien bien. Bah ouais, la semaine, hein, le week-end est fini, malheureusement. Hein. J'espère quand même que vous aurez profité de tous bien vous reposer hein, quand même pour attaquer une semaine encore qui va être encore difficile pour tous ceux qui sont obligés de prendre la voiture pour aller travailler, qu'il faut remettre du gasoil. Ça, hein, bah courage, hein, courage à tous ceux, hein, tous ceux aussi qui sont père et mère au foyer, hein, courage à tous ceux, même vos enfants, hein, courage à eux qui vont au collège, au lycée, ou à l'école, ou au travail, hein, parce que il y en a qui peuvent avoir des grands ados chez eux encore, hein, encore, hein. Donc courage à toute la famille, hein, courage à toute votre famille, tous vos enfants et tout ça. Et bien sûr, hey, je n'ai pas oublié les animaux, hein, pas les animaux. Alors là, on va faire le sujet sur Sarah Frézou. Hein. Je pense que tous ceux qui me suivent connaissent Sarah Frézou. Hein. Vous la connaissez très très bien. Hein. Sarah Frézou qui fait que de se marier et qui dit qu'elle fait que de se marier lorsque c'est des halal, des mariages halal, donc juste des mariages religieux qui n'ont aucun. Qui n'ont aucun dire. Comment je vais dire qui n'a. Qui n'est. Qui ne vaut rien, voilà. Il vaut rien au niveau de l'État et tout ça. Il vaut nadal, parce que les mariages religieux, oui, d'accord, parce que tu te maries sous ça, mais du coup, quant au niveau papier, au niveau règlement, au niveau tout ça, bah, ça vaut rien. Hein. Tu peux t'avoir marié et te dire, ouais, bon, chérie, on se marie religieusement, ouais, on partagera 50-50. Ça, c'est juste des mots, il n'y aura pas d'écrit. Que si vous signez et que vous appelez vraiment Madame un tel, c'est marqué noir sur blanc, là, vous pouvez dire que vous êtes mariée. Donc, du coup, voilà tout comment on peut la connaître comme star télé-réalité. Hein, comme je vous dis, elle a été prétendante, elle s'est fait connaître en tant que prétendante dans Les Princes et Princesses de l'amour. Beaucoup de scandales. Le scandale, le dernier, là, c'est avec le gel et les gélules pour raffermir et resserrer le kiki. L'avant-dernier, c'était le scandale au twerk. Scandale au twerk. Hein, twerker dans un lit avec quelqu'un et puis, soi-disant, son ex l'avait filmé et si elle lui donnait pas 50 000 euros, je crois, il mettait ça sur les réseaux et du coup, c'est elle qui a foutu ça sur les réseaux, hein, sur son Snap. Elle a mis ça à tout le monde. Elle a dit, attention, attention, qu'on lève le truc. Hein. Elle a rien caché, elle a juste caché son ventre. Mais son gros derrière qu'on voit avec son body, parce qu'elle n'était pas déshabillée, elle était en body. Donc vraiment, hein, elle est passée dans TPMP pour ça. Donc voilà à peu près, en gros. Elle a fait les anges. Hein, dans les anges, elle a harcelé Angel Salentino, qui sont en procès pour ça. Hein, là, normalement, ça devrait être jugé bientôt, hein, parce qu'il y a eu déjà un premier jugement, mais qu'elle a fait appel, comment dire, Angel. Donc, du coup, tout ça va, on le saura bien. Moi, je suis abonnée à la chaîne d'Angel, donc du chaîne YouTube d'Angel. Donc, du coup, si elle en parle. On le saurait, je vous remettrai au courant de tout ça. Alors du coup, Madame Sarah Frézou, qu'est-ce qu'elle nous fait encore? Pourquoi je vous fais encore une vidéo sur elle? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit pour que je m'intéresse à elle? Eh ben, je vous disais tout au début que Sarah Frézou avait dit qu'elle avait fait beaucoup de mariages. Qu'elle disait qu'elle était mariée, je suis mariée, j'ai divorcé, j'ai divorcé, j'ai divorcé. Non, non, faut dire trois fois. Je veux plus toi, je veux plus toi, je sais plus quoi. Je divorce, je divorce, je divorce, je sais plus quoi. Voilà. Hein, que quand tu es vraiment marié, signé en mairie, tout ça, hein, tu dis pas trois fois je divorce devant le juge. Hein. Non, non, vous vous mettez d'accord et tout ça, et là vous signez, et après, hein, il y a un nini, il y a un procès, un petit rencontre, et puis voilà, avec un juge, et puis voilà. Hein. Donc ça se fait pas comme ça, je divorce, divorce, divorce. Hein. Non, 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 non. Mais, du coup, Sarah est invitée à un mariage. À un mariage à un quelqu'un. À quelqu'un, mais du coup. Ça y a donné des idées. Hein, tout le monde, de toute façon, on entendait tout le monde qui disait, oh, Sarah va encore se marier énième fois, une énième fois encore, un hein, Didi Adada. Eh ben oui, de toute façon, j'ai remarqué que tous les mecs qui durent un peu plus de 3 mois avec elle, fait un mariage religieux avec. Mais si vous avez bien vu, si vous me suivez, je vous ai fait une vidéo. Ou qu'elle explique bien dans cette vidéo,
dans l'audio qu'elle dit bien que la prochaine fois qu'elle se marie, ça sera halal, d'accord, mais ça sera en même temps la mairie, avocat, tout tralala. Elle a bien dit que si elle voudra le prochain qui se marie avec, quand il voudra se divorcer, ça sera avocat, tout tralala. Là, ça sera plus divorce, divorce, divorce 3 fois. Hein. Donc, du coup, je vais vous le mettre avec ça. Je vais le découvrir avec vous. Hein. J'ai vu qu'un petit bout, mais je me suis dit, tiens, je voulais le regarder avant et puis vous en parler après. Et du coup, je me suis dit, non, je vais le regarder en même temps qu'eux. Comme ça, je vais savoir et je vais interagir comme ça à chaud que d'avoir préparé la vidéo avant. Allez, je vous laisse avec Sarah Frézou. Mais avant, comme je vous dis, dans l'autre vidéo et l'autre vidéo et l'autre vidéo, je veux des likes et chats. Like et chat, oui, like et chat, parce que tant que je vous dis, tant que je n'ai pas de vidéo, au moins 2 vidéos qui dépassent les 100 likes, je vous embêterai toujours avec les likes de chat. Je vous dis, hein, si j'atteins pas dans quelques temps, ils veulent plus faire partir des vidéos. Ils m'ont dit, on veut plus, c'est bon les vidéos, on a marre. En plus, si on n'est même pas, ils nous donnent même pas de force, je vois pas pourquoi. On vient faire les zouaves, en plus on t'embête, en plus on te met plein de poils sur toi. Alors dis donc, ils pourraient liker quand même pour faire ça. Parce qu'autrement, ils se mettent en grève. Ils ont dit, lui là, lui c'est le chef, il a dit, je me mets en grève. Si il like chat, ils font pas de like chat, je me mets en grève. Vous avez vu, il arrive. Il se met en grève et puis il part. Il l'a dit. Alors, je compte sur vous pour liker. Ok? Même ceux qui passent comme ça, vous voulez pas vous abonner, mais vous pouvez liker, hein, ça n'embête, ça, ouf, C'est ça vraiment dérange un personne, maquillage parfait. hein, au contraire, allez-y, allez-y, hein. Et puis bien sûr, si vous pouvez vous abonner, bah abonnez-vous aussi, hein, c'est encore mieux. Comme ça, vous les verrez à chaque fois m'embêter. Je vous dis, ils vont se mettre en grève, ils l'ont dit, hein. C'est lui qui l'a dit. Oui, il vous fait voir comment il m'embête, hein, vous allez louper tout ça. Vous allez écouter ça si vous avez. Je vous dis, hein, quand je vais en avoir. Quand ils vont en avoir marre, ils l'ont dit, hein. Si dans, mettons, dans une. Si dans. À peu près. Quoi, le chat? Tu leur laisses? Un mois? Oh, bon, non, quand même moins. Moins. 3 semaines. Bon, ah ben lui, Titoun et Tekken, ils vous laissent 1 mois pour mettre 100 likes sur 2 vidéos. Vous imaginez, 1 mois. Eh ben, moi, non. Moi, non, non. Moi, je vous laisse même pas. Je veux des likes. Je veux tout de suite, tout de suite, tout de suite, maintenant. Je veux pas dans 1 mois. Je veux pas dans 15 jours. Je veux tout de suite que vous likez chat. De toute façon, je vous demanderai ça. C'est pas pour le sujet, je veux pour eux. Ouais. De toute façon, je vous les verrai plus après. Non. Si vous likez pas, eh ben. Vous les verrez plus. Ah, il y en a peut-être qui se disent, oh bah oui, hein, comme ça au moins, oh, on est chiant toujours avec les chats et tout ça, avec les chats. Eh bah pour vous, bah vous serez content parce que s'il n'y a pas de vidéo avec plus de 100 likes, eh ben vous les verrez plus. Donc bah vous qui n'aimez pas les animaux ou que vous n'avez marre que les animaux dérangent la vidéo, eh bah vous serez content parce qu'ils seront plus là. Non, ils seront plus là. Allez, Là, dites-vous, j'ai pas de filtre. je vous laisse avec Sarah et son futur mariage. Incroyable. Elle fait vraiment. On va se calmer, ce n'est pas mon. Alors attendez, hein. Il y a Incroyable. un truc. Là, dites-vous, j'ai pas de filtre. Elle dit qu'elle a pas de filtre. Hein. Moi, je vous dis franchement, j'ai très, très, très de mal à la croire qu'elle dit qu'elle a pas de filtre. Hein, parce qu'elle a la même tête quand elle a des filtres. Hein. Incroyable. Elle fait vraiment. On va se calmer, ce n'est pas mon mariage à moi. Parce que j'ai fait une vidéo, je dis ouais, dans mon mariage, il y a un thème. Donc oui, le mariage. Bien sûr, tout le monde s'est déchaîné à se dire ah bah ça y est, Sarah Frézou, ça y est, Sarah Frézou se remarie, refait un lèl. Mais non, comme je vous dis, elle a bien dit qu'elle fera que ça sera vraiment un mariage religieux plus mairie après. Mariage dans lequel je suis invitée, il y a un thème. Ce n'est pas mon mariage, ne vous inquiétez pas. Je pense que quand je me marierai, je serai tous au courant.
Oui, je crois qu'on sera au courant parce que de toute façon, elle n'a pas arrêté à prendre ses réseaux dès que. Ouais, je me marie, ouais, je me marie, ouais, je me marie. Mais non, tu t'es jamais mariée, arrête. Comme d'hab, j'ai envie de vous dire. C'est trop grave comment mon mariage est attendu au tournant, genre. Genre, vous pensez réellement que je vais pas me remarier? Non, sérieusement. Elle n'a jamais été mariée, oh là là. Vous avez vu les... Moi je vous dis, y en a qui vont me dire, si, elle a été mariée. Je suis d'accord. Mais moi, pour moi, un mariage, pour moi, un vrai mariage, c'est un mariage qui est pris à la mairie et que si la femme, le bonhomme se casse, eh ben la femme, elle perd pas tout. Au moins, elle peut avoir... lui, il peut lui donner une pension, il peut lui donner quelque chose. Que si là, elle se remarie encore à l'aile, si elle fait un mariage religieux, un mariage à l'aile, franchement, faut arrêter. Pour ça, moi, ça m'énerve quand elle dit mariage, parce que pour moi, elle s'est jamais remariée, non. Qu'elle dit qu'elle aura un vrai mariage, c'est plutôt dire, oui, le jour que j'aurai un vrai mariage, parce que ça n'a jamais été des vrais mariages, parce que même pour eux, qui veut dire beaucoup, bah, nous aussi, hein, nous les chrétiens, on fait des mariages religieux, mais on va toujours, si on n'a pas été, je crois que si on n'a pas été à la mairie avant, on peut pas faire le mariage religieux après, si on n'a pas machiné les bancs, je sais pas quoi, à la mairie, je crois pas qu'on peut aller se marier à l'église, nous les chrétiens, je sais pas, je peux pas vous dire, hein, parce que moi je suis pas chrétien, je suis athée. Donc moi, je peux, oui, j'ai dit, moi, les chrétiens, non, moi, je suis athée, je ne suis pas chrétienne. Comme je vous ai dit, ceux qui me suivent savent que je crois en certaines choses, mais je ne crois pas en Dieu. Non, pour moi, y a des choses qui existent, mais pour moi, Dieu n'existe pas. Donc, après, je ne dis pas qu'il existe. Pour moi, je crois en certaines choses, j'ai des croyances, oui, j'ai des croyances en certaines choses, je crois, comme je vais vous dire, je crois en la vie après la réincarnation, la vie après la mort, j'y crois, donc vous voyez, je crois en certaines choses, je crois au sort, au sortilège, au don, je crois en tout ça, vous voyez, je crois en beaucoup de choses quand même, mais qu'il y a quelqu'un qui nous regarde et puis qui... qui ça, je comprends pas, parce qu'à chaque fois qu'il y a un malheur, eh ben, y a jamais bien, jamais rien qui se produit de bien, et on dit que, donc voilà. Mais je ne dis rien pour tous ceux qui croivent, hein, chacun a ses croyances. Si vous croyez qu'il y a un Dieu, si c'est votre croyance à vous, hein. Ça se trouve, il y en a qui peuvent croire en Dieu, mais qui ne croient pas à autre chose que moi, je crois. Donc, non, tout le monde, comme je vous dis, si vous me suivez bien, vous savez que moi, chacun, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Tout le monde fait, toi, tu veux faire ci, tu fais ça. Toi, t'es comme ci, t'es comme ça. Toi, tu mets ça. Toi, tu fais ça, tu fais ça. Tout le monde, moi, je suis... Tout le monde fait ce... Tant qu'on moi, on m'agresse pas, tant qu'on me respecte, tant qu'on m'insulte pas, on me menace pas de mort. Voilà. Mais moi, je suis pas là pour... Mais du coup, moi, elle n'est pas mariée. Donc, ce sera son premier vrai mariage. Parce que je sais pas si elle a vraiment été mariée une fois à la mairie. Est-ce qu'elle a vraiment divorcé? Je crois pas. Vous pensez vraiment, je vais... J'étais bloquée à des échecs dans ma vie. Ah donc. Je pense qu'ils se marieraient vraiment, ils verraient que combien que ça leur coûte. Je crois que c'est pour ça qu'ils se remarieraient pas. Quand tu te maries vraiment, je crois que quand tu divorces, surtout qu'elle serait vraiment mariée vraiment à un vrai mariage et qu'elle aurait eu, trois divorces. Je crois qu'elle a fait trois mariages à l'aile, je crois. Donc elle aurait fait trois divorces. Et je pense, vu que c'était elle qui gagnait toujours plus que ses mecs, il lui aurait sûrement demandé une pension. Et comme encore, quand je me suis fait insulter, quand j'ai fait cette vidéo-là, que je disais que de toute façon, ces mariages religieux, c'est que des mariages religieux, ne vaut rien au niveau bien, tout ça, enfant et tout ça, il ne vaut rien.
Et du coup, que je disais, de toute façon, heureusement qu'elle n'est pas vraiment mariée, parce qu'elle serait vraiment mariée, elle verrait toutes les pensions qu'elle aurait à payer. Alors, il y en a un qui m'a dit, ouais, toi, au lieu de parler de ça, pourquoi elle donnerait une pension, je vois pas pourquoi des pensions, il n'y a pas d'enfants et tout ça, je suis désolée, hein. Pourquoi Adeline, elle a une pension par Johnny Hallyday pendant je sais pas combien de temps? Hein? Elle n'avait pas d'enfant? Et pourtant, elle était toute jeune, elle avait à peine 19 ans, et il a donné 20 ans, il a donné une pension. Il n'y avait pas d'enfant, donc alors. Et merci à tous ceux qui ont pris. C'était dans le début que j'ai fait une vidéo, il y a un moment, mais merci à tous ceux qui ont pris ma défense sur ça. Merci beaucoup. Je m'en fous. Enfin, s'il y aura malheureusement des mésentendus, enfin des comportements bizarres ou quoi, ben, il y aura une fin comme toutes les relations. Et il y aura un mariage comme toutes les relations normales en fait. Donc oui, après plusieurs échecs, Sarah compte dans se marier. Si ma destinée fait que je dois me marier 70 fois, je me marierai 70 fois. C'est comme ça qu'on s'appelle la vie. La Kesha. Hop, voilà, vous avez vu, il a fait une claque. La Kesha. Pour pas qu'elle soif de PC, fessé, fessé, de fessé, fessé. La Kesha. Si ma destinée fait. Mais à chaque fois, je me dis un truc, vraiment. Dieu merci que je n'ai pas fait d'enfant avant, plutôt. Parce que me retrouver bloquée à vie, avoir la gueule de quelqu'un que je n'ai pas envie de voir, non merci. Franchement, les meufs, je vous admire. Mais vraiment, j'ai une incroyable admiration pour toutes les meufs bah, qui ont un enfant et qui sont plus avec les maris en question. Parce que je ne sais pas si je supporterais la gueule de quelqu'un de mon passé, surtout que je tombe un peu sur les plus grands connards. Donc ouais, ça aurait été compliqué, très compliqué. Je serais au bout de ma vie, vraiment. D'ailleurs, je voulais dire, il y a une. Et là, il y aurait des enfants, c'est clair que ça serait autre chose. Autre chose, ces mariages, parce que je ne sais pas comment que ça se passe quand tu crois, parce que, comme je vous dis, et j'ai eu beaucoup de commentaires en ça, qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont retrouvées avec toutes les factures qu'elle avait contractées avec son bonhomme, et que du coup, comme elle avait mis ça dans son nom. Hein, parce que le mari, il a dit, ma chérie, on est mariés à l'âge, mais quand même, tu fais ça de crédit dans ton nom, hein, comme ça, hein, comme toi, t'as des enfants, nanana. Et du coup, bah, quand il y a le machin, bah ouais, mais il y en a, ils ont fait croire que bah, le mariage à l'âge était au même niveau, attention bébé, au même niveau qu'un mariage à la mairie où tu signes des papiers, bah. Et du coup, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, beaucoup de femmes, beaucoup de femmes qui attention mon amour, beaucoup de femmes qui ont. Bah, qui se sont retrouvés avec plein de dettes, le bonhomme qui est parti, les enfants, plus d'argent pour les enfants, les autres qui payent plus de pension, ils sont barrés comme ça. Bah, et c'est pour ça qu'il y a eu que ça, il y a eu une loi par laquelle que tant que les hommes et la femme maintenant ne sont pas présentés à la mairie, normalement, le imam, normalement, ne doit plus les marier tant qu'ils ne sont pas à la présentation du papier. Bah, comme je vous dis, je crois que la publication des bans ou les trucs comme ça, faut qu'il y ait cette preuve-là par laquelle que s'ils veulent qu'au moins un imam les marie religieusement. Certaines catégories d'hommes bah, qui font que les femmes tombent enceintes, ils pensent les bloquer dans leur vie, et ils pensent ne pas sauter. Les gars, ça y est, c'est terminé cette époque. La femme est tellement indépendante que. Faut arrêter de mettre sur le dos des hommes qui font des c'est rare que t'as, c'est rare que les hommes font des bébés aux femmes pour les garder. Je vais vous remettre le début, mais je trouve pas que ce truc-là. Époque. La femme est tellement indépendante et pense ne pas sauter. Ah, bah, putain, vous remettre. Catégorie d'hommes très Regarde, compliquée. écoutez. Je serai au bout de ma vie, vraiment.
D'ailleurs, je voulais dire, il y a une certaine catégorie d'hommes qui font que les femmes tombent enceintes. Ils pensent les bloquer, ils pensent les bloquer dans leur vie, et ils pensent ne pas sauter. Vous croyez beaucoup d'hommes. Moi, c'est très rare que j'ai entendu des hommes dire que j'ai fait des gamins. Ou pour qu'elle reste à la maison, ouais, peut-être pour qu'elle reste à la maison, pour que le bonhomme puisse aller traîner et puis aller tac-tac avec d'autres nénettes, hein, peut-être aussi. Mais le plus, c'est souvent le plus, parce que comme elle dit, pour garder la femme, pour garder, pour pas qu'elle quitte, le plus souvent, c'est plutôt la femme qui fait un gamin dans le dos de le bonhomme pour que le bonhomme reste. Je dis pas que c'est plus les femmes, plus mais comme elle a dit, c'est les hommes, hein, on va dire que hein, c'est entre les, on va dire un peu plus les certaines femmes que certains hommes. Hein. Dites-moi en commentaire, vous pensez que c'est plus les hommes qui s'amusent à faire tomber les femmes enceintes parce qu'ils ont peur qu'elles les quittent? Ou c'est les femmes qui tombent plus, soit certaines, hein, pas toutes, hein, pas tous non plus, mais pas tous les hommes dans le même cas et pas toutes les femmes. Mais qui seraient aussi, qui feraient des enfants à leur, dans le dos à leur mec pour pouvoir les garder. Moi, je suis plus de ce côté-là qu'il y a beaucoup de femmes qui font des enfants pour garder leur mari ou pour histoire de se dire, bah, tiens, ça va peut-être le faire revenir à Nini à Nana. Moi, je pense plus dans ce sens-là. Mais je ne mets pas tout le monde, hein. Bien sûr. Hein. Toutes les femmes ne sont pas comme ça et tous les hommes ne sont pas comme ça, bien sûr. Les gars, ça y est, c'est terminé cette époque. La femme est tellement indépendante que quand ça ne va pas, ce n'est pas parce qu'il y a un petit au milieu qu'on va se forcer à rester avec la personne. Et d'ailleurs, je souligne encore une fois, ces femmes-là, je vous admire. Vraiment. C'est incroyable. Si vous savez, la femme, tellement elle est forte, c'est ouf. Hein. Plus les jours passent, plus je me dis, mais elle, la femme, ce qu'elle subit, c'est incroyable. Je crois qu'un mec, le quart de ce qu'on a dans notre vie, il ne supporterait même pas 5 minutes. Voilà, 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 voilà. Donc, bon, hein, vous avez vu, hein, Sarah hein, va bientôt... Bon, on va pas. Elle a pas dit que ça serait la semaine prochaine, elle a pas dit que ça serait le mois prochain. Elle a bien dit que elle réitérerait le mariage à l'aile ou mariage à l'église, à la mairie. Elle a pas dit vraiment lequel mariage vraiment qu'elle va aller. Est-ce qu'elle va faire son vrai mariage, son premier vrai mariage? Ou qu'elle va faire encore, c'est à l'aile, c'est à l'aile, c'est à l'aile, c'est à l'aile, elle se divorce. Je veux plus de toi. Je te divorce. Et voilà, on est divorcés. Non, malheureusement, c'est pas comme ça la vraie vie. Pas du tout comme ça la vraie vie. Je sais pas où qui ont la tête ces candidats de télé-réalité là, mais franchement. Les pensées là, des fois, elles sont un peu cheloues, hein, comme là. Oui, beaucoup d'hommes font des bébés aux filles pour que les filles ne les baissent pas. Bah, dites-moi s'il y a des hommes là en commentaire. Vous avez fait des enfants à vos femmes exprès pour pas que vos femmes vous quittent. Dites-moi en commentaire si vous avez fait des bébés pour ça, pour garder vos femmes, parce que vous avez peur qu'elles vous quittent. Ah là 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 là, je vous dis ça va résoudre. Bah voilà, bon bah moi je vais pas continuer, hein, on verra bien dans combien de temps qu'elle va, Sarah remettra ça. De toute façon, moi comme je vous dis, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Si qu'elle fasse en main enfin un vrai mariage et qu'elle ne se fait pas encore avoir, encore à se réjouir, encore en disant « Mais c'est pas grave, il s'est barré, c'est pas grave, je me remarie, oh c'est pas grave, je me remarie, oh non, non, non. » Non, c'est bon. Qu'elle soit heureuse et qu'elle trouve le bon et qu'elle se fait un bon vrai mariage et qu'elle ait des enfants et puis voilà et puis qu'ils ont beaucoup d'enfants. Voilà. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu, hein, bien sûr. Si ça t'a plu, mais que t'as attendu la fin de la vidéo pour t'abonner ou que tu es déjà parti, eh ben merde. Mais il est parti, c'est pas abonné. Bah si toi t'es encore là-bas, hein, abonne-toi. Fais pas comme lui, te barre pas sans t'abonner.
abonne-toi. Et bien sûr, vous avez vu, ça y est, il commence. Hein. Alors, je vous dis, si vous voulez les revoir, si vous voulez revoir les Mimi dans leur petit dodo là, eh ben, likez chat. Vous likez chat et puis ils reviendront. Mais si vous likez pas, ben, vous les verrez plus. Vous allez peut-être plus les voir dans les prochaines vidéos là. Là, je vais peut-être vous en faire encore deux là. Bah, vous allez voir, vous allez peut-être plus les voir. Vous les avez vus dans les premières que j'ai faites. Mais là, Mimi, bah ouais. Eh ouais, on veut 100 likes dans... On veut 100 likes sur sous deux vidéos. 100 likes sur deux vidéos. Voilà. Ah, il est revenu, vous avez vu. Il est revenu pour vous dire... Bon, je reviens, mais... Faut liker chat. Hein. Alors, tout le monde, allez, likez. Même tous ceux qui n'ont pas liké et qui ne sont pas abonnés, qui passent juste par là, likez pour les Mimi. Et bien sûr, tu t'abonnes, hein, si tu viens plusieurs fois. Et puis, bah, tu me donnes ton avis, hein, ce que tu penses sur les mariages à comment dire, ça, à Frézou. Et puis, bah, bien sûr, le petit avis hein, que je t'ai demandé, est-ce que c'est les hommes plus qui font des bébés aux femmes pour les garder ou si c'est les femmes qui font plus des bébés dans le dos des hommes pour les garder? Bah, vous me dites en commentaire ce que vous pensez. Toujours respectueux, hein, même si vous ne l'aimez pas et tout ça. Oh là là, excusez-moi. Si vous ne l'aimez pas et tout ça. Voilà, elle a été vraiment... Elle a été vraiment bougée, cette vidéo. Hop, voilà. Excusez-moi, je suis désolée, j'ai vu ma main autre part. Bon, doudou. Alors, hein, si vous aimez bien, donc, hein, mettez votre avis, un petit commentaire respectueux et un petit emoji hein, en fin de vidéo pour tous les nouveaux. Un petit emoji homme ou femme. Comme ça, c'est souvent vos blases. Ça ne veut pas dire que vous êtes une femme... on ne sait pas vraiment qui est derrière. Donc, allez, un petit emoji homme ou femme. Et puis, bien sûr... Hein, t'oublies pas la petite cloche de notification, hein, tu l'actives parce que comme ça m'arrive là des fois de mettre au moins 3-4 vidéos par jour, et ben comme ça toi tu en louperas aucune. Si tu l'actives, tu seras à chaque fois, tu recevras à chaque fois une notif pour chaque vidéo que j'ai mis. Donc du coup, t'as plus d'excuses pour pas savoir si j'ai parlé de ce sujet-là ou pas. Voilà, voilà. Et ben moi je vous fais d'énormes bisous. Je dis encore merci, merci à tous ceux qui se sont abonnés, aux tous nouveaux abonnés, à tous ceux qui likent, à tous ceux qui viennent de liker pour la première fois, qui viennent de commenter pour la première fois. Merci beaucoup, merci à vous tous. Et je vous fais d'énormes bisous. Et merci aussi à tous ceux qui me donnent des petites infos de certaines vidéos à aller voir. Merci beaucoup parce que moi, ça me fait des vidéos à faire et à continuer. Et comme ça, je peux suivre les affaires. Voilà, merci, merci beaucoup. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bisous, bisous. Et restez comme ça, vous êtes géniaux. Bisous, bisous.